Régulièrement, il y a des inquiétudes sur la croissance chinoise. On a eu ça en 2015, on a ça de nouveau depuis le début de l'année. Il faut dire que pas mal d'indicateurs quand même ont viré au rouge, les ventes de voitures. Alors c'est loin de notre secteur, mais quand même, dans l'industrie, on a aussi les indicateurs de confiance des chefs d'entreprise qui sont assez bas. La croissance est au plus bas depuis 28 ans. Est-ce que vous, dans votre activité, vous ressentez ou pas du tout ce ralentissement, encore une fois, économique chinois qu'il y a dans les chiffres ? Bien, on parle du ski, on voit d'ailleurs des images de notre nouveau Club Med, alors là au Japon, dans l'Hokkaido, mais c'est aussi destiné à la clientèle chinoise. Nous avons une progression de notre clientèle cet hiver venant de Chine sur nos destinations de ski qui reste extrêmement importante. Pour le reste, c'est cet été qu'on verra comment les choses évolueront. Mais je dirais... Donc pour l'instant, zéro impact. Pour l'instant... Bien au contraire. Pour l'instant, en tout cas, on ne voit pas d'impact significatif. Et on sent que l'envie de vacances, l'envie de loisirs, l'envie de ce qu'on appelle là-bas une vie meilleure est toujours très présent. Et ce qui fait que probablement il y a là des ressorts fondamentaux de la croissance chinoise à long terme. Ouais.